Good morning, allez, Iden et Sutra aujourd'hui, le Lunishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Itzrak Ben Fortuné Mazal et Sarah Bat Ita. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude de Mishnah, pour les 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Shkalim, Perek Dalet, Mishnah Zain. Amagdish Nechasav Vaita Bahen Behema, Reouya Legabe Amizbeach, Zecharim ou Nekevot. Rabbi Eliezer Omer, Zecharim imachru letzorke olot, ou nekevot imachru letzorke zivre ishlamim. Ou d'me amiplu imchar nechassim le bedek abeit. Rabbi Yoshua Omer, Zecharim atzman ikarvu olot, ou nekevot imachru letzorke zivre ishlamim, ve yavi bidmen olot. Ouchar nechassim iplu le bedek abeit. Rabbi Akiva Omer, roe aniet divre Rabbi Eliezer, me divre Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Ishvaet Midato, Rabbi Yoshua Chalak, Amar Rabbi Papias. Shamati Kedivrei Shneem, Shamagdish Beferush, Kedivrei Rabbi Eliezer, Vamagdish Stam, Kedivrei Rabbi Yehoshua. On continue dans notre Mishnah, le sujet ouvert dans la Mishnah, qu'on a ouvert dans la Mishnah précédente, de celui qui sanctifie tous ses biens. On va le prendre maintenant sous une autre forme, bien sûr. Je vous explique le principe d'abord à l'oral, c'est simple. On a bien expliqué que, d'abord, au Beth Amikdash, on fait un don au Beth Amikdash, on veut sanctifier son argent. J'étais sauvé miraculeusement, j'ai dit, je vais donner tous les biens que j'ai dans ma maison au Hekdesh, sans préciser à quelle caisse du Hekdesh, parce que le Hekdesh se séparait en deux parties. Il y a la partie trésorerie, gestion, de tous les besoins de la ville et du Beth Amikdash, l'entretien. Ça, c'est le Hekdesh classique, le Bedek Habayit. Et il y a spécifiquement les Korbanot. D'accord? Ça implique pour le... D'accord? Comme si vous voulez donner l'argent à la synagogue, il y a... Soit on peut le donner pour l'étude de la Torah, ou bien soit on peut donner pour toute la gestion en général, pour l'entretien de la synagogue, pour construire, ajouter des choses. Tout ça, ça vient sur la case du Bedek Habayit, la trésorerie. D'accord? Donc il y a deux destinations. Le principe de notre Mishnah, maintenant, il va être de me dire que lorsque je vais sanctifier tous mes biens au Hekdesh, alors, premièrement, de manière générale, quand je sanctifie mes biens, mon intention, elle est à la trésorerie générale, elle n'est pas d'en faire des korbanot. D'accord? Elle est à la trésorerie générale pour l'entretien du Beth Amikdash, la maison d'Hachem et la ville d'Hachem, elle a besoin d'argent pour être bien gérée, bien préparée, qu'elle soit belle, qu'elle soit agréable, qu'on peut y monter et venir facilement à Yerushalayim. Donc, Stam Hekdesh, le Bedek Habayit, premièrement. Malgré tout, il y a un statut spécial pour les animaux qui sont aptes à en faire des korbanot. Et dans la prochaine Mishnah, on reviendra sur le même sujet avec, en présentant un peu plus largement l'idée. Pour le moment, on va se concentrer sur des animaux. Il y avait des animaux qui sont aptes à en faire des korbanot. On avait appris dans la Mishnah précédente que ce qui est apte à monter sur le Mizbeach, il va devenir Kadosh, il va falloir en faire des korbanot. La question, c'est la contre-valeur de ça. Est-ce qu'on va la donner au Bedek Habayit ou pas? Puisqu'on a dit que j'ai deux caisses. J'ai la trésorerie générale d'entretien de la ville et les korbanot. Lorsque j'ai dit que je vais donner, c'est le point de discussion exact. Lorsque j'ai dit que je vais donner maintenant tous mes biens au Beth Amikdash, tous mes biens, je vais les rendre à Hekdesh, je les sanctifie à Hachem. Bon, alors les livres, les standards, les chaussures, ce que vous voulez, tout ça, ça va pour la caisse de la trésorerie du Beth Amikdash. Les animaux, tout d'abord, eux-mêmes, il va falloir en faire des korbanot. Parce que si j'ai sanctifié quelque chose qui est apte à en faire des korbanot, même si j'ai sanctifié pour le Bedek Habayit, il va falloir en faire des korbanot. La seule question, elle est sur la contre-valeur des animaux. Est-ce que je veux dire, ah, les animaux, tu en fais des korbanot? Est-ce que je veux dire, les animaux, puisqu'ils sont censés être pour les korbanot, même si je les ai sanctifiés pour le Bedek Habayit, pour la trésorerie, eh ben il va falloir les faire des transferts d'argent, de les vendre, de vendre leur contre-valeur, de les vendre pour qu'on en fasse des korbanot, et leur contre-valeur, on va la donner à la trésorerie. C'est le point exact. Si vous avez compris, vous avez tout compris, sinon on recommence. Et je recommence. Très simplement, d'accord, j'ai dit, j'avais donc une vache. Non, on ne va pas prendre une vache, après, parce que là on va rentrer dans la complexité alors. J'avais un taureau et une voiture. Je sanctifie tout, je rends tout Hekdesh. La voiture, elle va être pour le Bedek Habayit, elle va appartenir
Je l'amènerai au trésorier du Beth-Amigdash, il en fera ce qu'il veut. S'il veut l'utiliser pour transporter des marchandises, s'il veut la vendre et utiliser l'argent, c'est pour la trésorerie. La vache, le taureau plutôt on a dit, le taureau, alors là, ça devient délicat. Premièrement, lui-même, il va vouloir en faire un corban. Mais la question, elle est, est-ce que mon intention, elle était de le faire en corban pour le misbéar directement, ou bien non. Mon intention, il était que ce taureau, la valeur de ce taureau, elle va venir dans la caisse de la trésorerie du Beth Amikdash. Maintenant, concrètement, le taureau, il va falloir en faire un corban. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver quelqu'un qui a besoin d'apporter un corban au la. On va lui dire, bah, tu sais quoi? Paye, achète ce taureau-là qui est au la. Tu payes 1000 shekels, je te donne le taureau, et les 1000 shekels, on le met dans la caisse de la trésorerie du Beth Amikdash. C'est la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, la marloquette de base. Après, bien sûr, c'est jamais très simple. Il faut compliquer un petit peu, sinon pourquoi on va faire un cours pendant un quart d'heure? Alors quoi? Alors là, maintenant ça va se compliquer un tout petit peu, c'est pas très compliqué. C'est, lisez le Chumash Vaikra, et vous allez voir qu'il y a des corbanotes il y a les corbanotes Ola et Shlamim. Lorsque tu veux faire une donation d'un corban, ça peut être soit une Ola, soit un Shlamim. Et là il y a une différence fondamentale, deux différences. La Ola, elle est toujours mal. Un mâle masculin. C'est toujours un masculin. Tandis que les shlamim n'ont pas porté un mâle ou une nekeva. Premièrement. Mettez ça de côté maintenant, et puis on va apporter une deuxième différence. Le hola, korban hola, on le fait entièrement pour Hachem. Il est entièrement consommé pour Hachem. Tandis que les shlamim, il y a une part pour Hachem, et une part pour les kohanim, et une part pour le propriétaire. Maintenant, lorsque j'ai sanctifié, j'ai dit mon taureau et ma voiture, imaginez que j'avais aussi une brebis. Et là, ça devient embêtant. Parce que la brebis, alors, c'est sûr, il va falloir en faire un korban shlamim, parce que je ne peux pas en faire une ola, puisque c'est une femelle. Ola, c'est que zachar. D'accord? Imola korbano, mina bakar, zachar, tamim yakrivenu al petach ou al moed levio, c'est le but de Vaikra, zachar. Donc, si c'est une brebis, c'est une femelle, je ne peux pas en faire une hola. Mademoiselle me dit, bah très bien, alors, ton intention, faisant un korban shlamim. Là, ça devient délicat. Parce que mon intention, elle était de tout donner à Hachem. C'est pas que je donne et je récupère de la viande à manger moi-même. Donc, c'est mon intention, elle n'était pas d'en faire un korban qui est consommable par des humains. Elle était de le donner entièrement à Hachem. Alors là, maintenant, cette brebis, on va la vendre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de sa contre-valeur ? Marloquet. Selon Rabbi Yoshua, qu'on va voir, qui me dit que les zharim, tu vas les faire en korban ola, tu vas vendre la brebis et l'argent, tu vas l'utiliser pour acheter de nouveau une ola. Et selon Rabbi Eliezer, le taureau lui-même, certes, tu vas le faire en ola, mais tu vas le vendre au ola pour récupérer l'argent pour le donner à la trésor du Beth Amikdash. Donc le shlamim, de nouveau. C'est vrai, tu vas le vendre pour celui qui va devoir apporter un korban shlamim, mais la contre-valeur, tu vas la donner à la trésorerie du Beth Amikdash. Vous voyez que c'est pas compliqué. Et maintenant, il reste un tout petit détail qu'on va voir à la fin de la Mishnah. Pour le moment, on avance toute la Mishnah, vous allez tout comprendre. Amakdish Nechassav, celui qui va sanctifier ses biens. Vaita Baen, Behema Reouya le Gabé Misbeach. Et il y avait parmi ses biens une Behema, un animal, qui était apte à monter sur le Misbeach. Zecharim ou Nekevot. Il y avait des mâles et il y avait des femelles. Donc des mâles, c'est parfait, tu peux en faire une Ola. Des femelles, il va falloir en faire une Shlamim. Or là, c'est bien plus délicat. Sur ça, on a Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer me dit, aucun problème. Zecharim imachou, les turke Ola. Les mâles, tu vas les vendre pour les besoins des korban Ola. Tu trouves quelqu'un qui va porter une Ola, tu lui dis, tiens, donne-moi la contre-valeur. Et idem aussi pour les Nekevot, imachou, les turke zivre Shlamim. Et les femelles, tu vas les vendre pour les besoins d'en faire des korban Shlamim. Cherche quelqu'un qui a besoin, tu récupères la contre-valeur. Vedmehem, et leur valeur, maintenant, l'argent que tu as pris en les vendant, Yiplou, Imshar, Nechassim, Lebedek Abayt. Ils vont tomber avec le reste, ils vont arriver dans la caisse, avec le reste de ses biens à la caisse de la trésorerie du Bedek Abayt, du Beth Amikdash. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua me dit non, Zharin Atzma, Nikavolot, les mâles, les masculins, les animaux zahar, eux-mêmes, tu les fais en korban ola, sans faire ton trafic de contre-valeur, et tu récupères l'argent de la trésorerie du Beth Amikdash. Non,
eux-mêmes, ils vont être une Ola, parce que mon intention, elle était que ce qui est apte à monter sur le Mizbéar, il est Kadosh directement pour le Mizbéar. C'est l'intention tacite que j'ai. Donc, Zrarim Atzmaam Ikarvo Olot, les mâles seront eux-mêmes des Korban Olot. Unkevot, et les femelles, Imachvo le Tzorke Zivre Shlamim. Alors, tu vas les vendre pour les Tzorke Zivre Shlamim, pour les besoins des Shlamim. Tu trouves quelqu'un qui a besoin d'un Korban Shlamim, tu lui vends l'animal et tu récupères l'argent, et après quoi? Yavid Bidmehen Olot, tu utilises cet argent pour en faire des Korban Olot. Donc, l'argent des animaux, concrètement, il va devenir, tu vas en faire des Korban Ola. D'accord? Soit lui-même, soit leur contre-valeur. Et Ush'ar Nechassim, et le reste des biens, hein, alors ce sera les Bedek Abayit, ce sera pour la trésorerie du Bet Amigdash. Ok? Simple, Baruch HaShem. Tout ça, maintenant, on a Rabbi Akiva qui vient me dire, il va un petit peu trancher la lacha, il va me dire, Omar Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit, Roé Aniet Divré Rabbi Eliezer, mais Divré Rabbi Yeshua. Je vois plus juste les paroles de Rabbi Eliezer que les paroles de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, il va trancher, en fait, Rabbi Akiva, il vient et tranche comme Rabbi Eliezer qui dit que tout l'argent va tomber pour la trésorerie du Beth Amikdash. Et si tu, concrètement, tu vas devoir faire un Korban Ola, un Korban Shlamim, tu te débrouilles pour soutirer la contre-valeur pour la donner à la caisse de la trésorerie du Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi je préfère les paroles de Rabbi Eliezer? Chez Rabbi Eliezer, il va être midato. Car Rabbi Eliezer a fait une mesure, comment dire, égale à toutes les situations. C'est-à-dire qu'en fait, je finis la phrase, mais Rabbi Yoshua Khalak, tandis que Rabbi Yoshua, il a fait un distinguo, il a fait une différence. Ça dépend si c'est un korban ou si c'est pas un korban. Rabbi Akiva, il veut dire une seule chose. Il dit, tu es en train d'essayer d'évaluer mon intention tacite. Moi, j'ai dit que j'allais faire ça, Hekdesh. Je suis pas entré dans de la complexité. Donc, dans ma tête, il y a une chose, soit c'est cette caisse-là, soit c'est cette caisse-là. Ne me dis pas que dans ma tête, j'avais l'intention que les animaux, ils vont être comme ci, et les chaussures, ils vont être comme ça. C'est pas... T'as voulu le faire avec neige, donc un, il va prouver sur l'autre. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva, c'est comme ça que Rabbi Akiva pense trancher l'art. Amar Rabbi Papias. Et attention, la lacha sera retenue comme Rabbi Akiva, qui tranche, en fait, comme Rabbi Eliezer. La lacha sera retenue comme Rabbi Eliezer, d'accord? Amar Rabbi Papias, il y a Rabbi Papias, première fois que je le rencontre, je ne le connaissais pas avant, qui me dit quoi? Shamati kedivrei shnehem. Sachez que moi, j'ai reçu de mes rabbanim que la lacha est un peu comme les deux. Il y a deux situations en fait à considérer. Shamati kedivrei shnehem. J'ai entendu comme les deux avis. J'ai reçu de mes rabbanim, j'ai entendu, de mes deux, comme les deux, ça dépend en fait du cas. Shamagdish beferouch, celui qui va expliciter son hegdesh. Alors ce sera Kedidrei Rabbi Eliezer, là ce sera comme Rabbi Eliezer. La Magdish Stam est celui qui sanctifie Stam, sans préciser, sans détailler, alors ce sera Kedidrei Rabbi Yehoshua. Attention, il faut bien expliquer, parce que j'avais retenu que c'était du tout le contraire quand j'avais étudié chez Kamel, là j'ai fait attention, je me suis trompé. Donc, ça se passe comme ça. Dans le fond, il est d'accord avec Rabbi Yehoshua. Il dit juste que, c'est-à-dire, il est d'accord avec Rabbi Yoshua que si tu sanctifies Stam, sans préciser, Stam, d'accord, de manière fermée, tu sanctifies tout en même temps, alors là, on va commencer à faire le tri. Ah, ça, c'est pour le Bedek Abayit, ça, c'est pour le Mizbeach. Mais si tu dis, je sanctifie ma voiture et ma vache, et tu précises pas, hein, donc là, tu es en train de préciser, maintenant, tu es en train de détailler, et tu précises pas que la voiture, c'est pour le Bedek Abayit, et la vache, c'est pour le Mizbeach. Alors là, le fait de se taire dans une situation pareille alors que tu as commencé à parler, c'est catastrophique. Ça signifie que tu as réellement l'intention de tout donner à la même destination que la voiture. En faire monter la voiture sur le Mizbéar, ils n'avaient pas encore pensé à l'époque. Donc ça, c'est sûr que la voiture, c'est pour le Bedek Abayit. Et maintenant, tu commences à me préciser la voiture et la vache, ou le taureau, et tu rentres pas dans la précision de dire, attention, je dis les deux, mais les deux, c'est pour deux caisses différentes. Là, tu devais parler, tu t'es tu. C'est la preuve que tu as l'intention que tout va arriver pour la caisse de la trésorerie du Beth Amikdash. D'accord? Pour la trésorerie et pas pour le Mizbéar. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.